Salut tout le monde les gars, glitch, duplication, donner un véhicule à un ami. Donc profitez-en, il va pas durer longtemps. Donc là, vous voyez, je commence par la fin. Moi, je suis bugué. Là, je vais rejoindre la mission que mon troisième ami a fait. Donc là, je suis sur le message. Lui, il doit quitter sa mission. Dès qu'il a quitté la mission, je vais accepter les deux messages. Donc là, je serai débugué. Donc là, je sors le pavé tactile. Je touche PS, je fais triangle, sortir du véhicule. Et je reste avec ce menu, je vais au véhicule qu'on me donne. D'accord? Donc je commence par la fin, vous verrez pourquoi, parce que après je vais le refaire en donnant un véhicule. Vous comprendrez mieux. Donc là je monte avec le menu, j'avance un peu vers le camion, j'enlève le menu et hop, je suis dans le camion. Donc le véhicule, ça y est, il est à moi. Il me suffit de remonter dedans et le ramener dans le garage de la RH8. Ok. Donc, il va y avoir des petits détails en plus. Donc, la RH8, c'est bon. Elle a une case dans le garage. C'est nickel. Ça marchera direct. Si vous faites ça avec une voiture de la rue, il vous faudra réserver une place pour cette voiture. Et ramener le véhicule à ce moment-là à l'emplacement libre. Parce que ça n'écrasera pas d'autres véhicules. Donc le mieux, c'est de faire avec une RH8 directement. Comme ça, la place, elle est là. C'est bon. Donc à chaque fois que vous allez faire le glitch, vous allez changer de session. Donc vous allez aller dans Options, En ligne, Éditeur. Donc quand vous êtes dans le mode éditeur, vous faites Options et vous allez retourner en mode Online, les sessions sur Ami. Donc le mieux, c'est une session sur Ami. Vous devrez le changer à chaque fois que vous faites le glitch. Si votre conducteur il disparaît et réapparaît, ça marchera pas. Faut pas qu'il disparaisse du véhicule. Donc des fois il est dans les airs. Le top, vous changez de session, vous recommencez de suite. Donc, c'est les deux seules solutions pour quand vous ratez quoi. Donc ça marche pas toujours, donc là vous raterez sur ces deux solutions si vous ne le faites pas. Donc là vous voyez pareil, j'ai pas réussi à rentrer mon véhicule. Donc il vous faudra vous mettre en motard et faire renvoyer véhicule personnel. Et là, il retournera dans le garage à l'emplacement de la RH8. Donc ensuite, là, on va changer de session. Là, mes amis sont en train d'aller dans une autre session pour amis. Et je vais les rejoindre. Parce qu'on vient de le faire une fois, donc il vient de me donner ce véhicule. On ne peut pas le faire deux fois sur la même session. Vous avez trop de risques de rater. Donc là, j'ai mis ma voix, j'ai mis longtemps à comprendre. Donc après, je me suis mis en motard et je vais renvoyer le véhicule. Donc je vous explique, il vous faudra un camion mobile pour celui qui veut une voiture. Camion mobile. Module 3, il faudra que ça soit un garage personnel. Que le camion soit vide, pas de véhicule à l'intérieur. Ensuite, il vous faut deux amis. Donc un qui lancera une mission. L'autre qui se lancera le PDG. Okay. Ce que je vais faire juste après, je vais vous montrer les menus du PDG. Donc, il faudra lancer une mission gros bonnet pour votre pote qui veut une voiture que vous lui donnez. Donc vous pouvez faire dans une session publique, mais je vous conseille une session pour amis. Sinon vous allez fail et vous allez recommencer 50 fois pour rien. Donc les gars, là je rejoins mon ami qui est dans une session toute neuve. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, faites connaître Poedji134 les gars. J'ai créé un crew aussi, ADH, donc ça serait bien si vous me rejoignez, ça fera plaisir. Donc là je suis en train de faire le logo, tout ça, elle est en création. Donc avec un peu de temps, ça va être au top niveau du glitch. Donc là, je l'ai rejoint dans la session. Il veut le Dune. Je vais lui donner le Dune. Donc moi, je devrais être en PDG.
je m'inscris en PDG. Je lui mets le véhicule à côté. Donc pensez à ouvrir le véhicule à tout le monde. Ça c'est logique, tout le monde le sait, normalement. Véhicule ouvert à tout le monde. Je le place pas trop loin. Donc lui, hein, il va faire la manipulation que j'ai fait au tout début de la vidéo. Donc moi je vais vous montrer quand on donne quelque chose. Donc, je vais être passager. Sur le passager du véhicule. Là, le troisième ami, il est dans une mission. Titan ou peu importe. En note et en session privée, la casse-mètre. Donc moi là, vous voyez, je lance une mission gros bonnet. Dès que j'ai lancé la mission gros bonnet, j'attends bien qu'elle soit bien apparue. D'accord? Que tous les messages soient là, qu'elle soit là, la mission. Vous n'êtes pas pressé par le temps. Voilà, je la lance, on attend que ça spawn. Dès que ça apparaît, je lui dis à mon ami, c'est bon. Donc lui, il va faire flèche de droite pour entrer dans le camion. Il va être buggé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va être buggé? Il va aller dans ami. Il va rejoindre notre pote qui est dans la mission. Et il va laisser le message comme moi. Dès qu'il est dans le message, il va dire à mon ami, quitte la mission. Mon ami va dire, c'est bon, j'ai quitté la mission. Lui, il va accepter les deux messages qu'il aura. Donc, quand il fait rejoindre session, il a un message, il s'arrête à ce message-là. Et là, vous voyez, il fait comme moi, pavé tactile. Il rejoint le véhicule avec le pavé tactile, tranquillou. Là, vous voyez, il est en train de faire comme moi au tout début de la vidéo. Mon collègue a réapparu et tout depuis. Voilà. Donc là, hop, il enlève le menu. Et hop, il rentre dans le garage. Le véhicule est à lui. Moi, je suis son véhicule à despawn. Donc moi, j'ai le mien qui a réapparu. Et lui, va ramener le sien dans le garage. Il aura une dune custom, full. Dans son garage. Les gars, j'espère que vous allez bien profiter de ce glitch et que je vais vous en sortir d'autres. Abonnez-vous les potos, faites partager. Je compte sur vous là. On a besoin de visibilité, donc mettez des pouces bleus, ceux qui ont aimé. Des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Un gros big up à tous ceux qui me soutiennent. Ciao les gars, à bientôt. Yeah.